Voici revenu une fois de plus dans ce petit village au bord du grand fleuve italien. Un village nommé Brescello. Brescello, vu de la droite, c'est le petit monde de Don Camillo. Vu de la gauche, c'est la commune rouge du maire Pepone. Vu d'en haut, c'est un champ clos où les deux adversaires ne manquent pas une occasion de s'affronter vigoureusement. Au moment où commence cette nouvelle histoire, une nouvelle politique vient de naître. Elle se nomme coexistence pacifique. Coexister, Don Camillo et Pépone en ont l'habitude. Mais pacifiquement, c'est beaucoup leur demander. Ils font pourtant de leur mieux. Pépone, qui vient une fois de plus de gagner les élections, modère l'agressivité de son tempérament et de son langage. Et Don Camillo joue de ses cloches comme d'une harpe. C'est peut-être pas une victoire aussi foudroyante que lorsque le Parti des Travailleurs obtint 97%
je veux dire, lorsque il a obtenu 79%. Non. Pour être exact, il a obtenu 78,3% du total des voix. En fait, nous vous avons rassemblés pour vous annoncer de nouvelles extraordinaires qui feront crever de rage les noirs corbeaux aussi hauts qu'ils soient perchés là-haut dans le col sur les arbres de nos campagnes. Notre coopérative ayant suscité la sympathie du chef de l'Union soviétique Khrouchtchev, les travailleurs d'un grand kolkhoz ont offert aux travailleurs syndiqués de notre coopérative agricole un magnifique cadeau, mais je n'en dis pas plus long. Et maintenant, avant de vous faire part de la seconde nouvelle extraordinaire, je veux en terminer avec la première et je passe donc la parole aux actes. Alors, coopérative agricole, allez-y à fanfare! Tu n'as pas mis le contact! Bon, ça risque pas de partir. Et n'a pas mis le contact? Il n'y a pas le contact. Quoi, il n'y a pas le contact? Qu'est-ce que tu chantes? Tu vois pas que le témoin est allumé, non? Hein? Vas-y, toi. Donne les gaz, vas-y. Ça y est, vous c'était rien du tout. Chef, c'est un tracteur construit pour les pays froids, et bien il fait trop chaud chez nous. Eh, dis donc pas d'idiotie, imbécile. Bon, ça va comme ça, allez, y'a qu'à l'emmener. Pousse-le jusqu'à mon garage. Je peux rien faire ici, y a trop de monde. Allez, pousse. Pépone était un très bon mécanicien, mais le tracteur des camarades russes ne voulut rien savoir. Pépone le démonta et le remonta une dizaine de fois, contrôla les pièces une par une, mais sans succès. Le tracteur refusait de bouger. Saloperie. C'est celui-là qui est moribond? Non, celui-là, il se porte mieux que nous. Alors, qui c'est qui est en train de mourir ici, alors? Personne. Personne? Alors, quel est l'imbécile qui m'a téléphoné? C'est moi. Toi? Ouais, parce que cette maudite carcasse, elle me tue. C'est toi, le mécanicien, et moi, je suis le curé, moi. Justement, si vous êtes curé, alors bénissez-le. Que je bénisse ça? Ouais, ça. Moi? Ouais, ouais. Vous, pourquoi? Parce que tout ça, le démon capitaliste, lui se rentrait dans le corps. Je bénirai jamais un tracteur soviétique, même s'il était à l'agonie. Écoutez, j'essaie encore une fois de le remettre en marche, mais bénissez-le avant, ou bénissez la pompe à essence, bénissez la porte, les murs, bénissez-moi, ou bénissez quelque chose, n'importe quoi, mais bénissez, sans avoir, j'attrape un infarctus. Ça marche,
Viens l'essayer, toi, prends le volant. Ouais, de suite. Allez, vas-y, roule, fais le tour, réveille le pays. Ah, vous inquiétez pas. Ah, ça fait trois jours qu'il rigole parce que le moteur est muet. Je veux entendre s'il marche ou pas. L'engin ressuscité cavalcada jour après jour dans le village. Le superbe cadeau des camarades soviétiques reprit ainsi toute sa valeur. Et Pépone put lancer l'autre grande nouvelle, celle que la panne du tracteur lui avait arrêtée dans le gosier. Seigneur, le misérable, l'hypocrite, voilà ce qu'il mijotait. Il veut nous jumeler. Qu'est-ce qu'il veut faire, Don Camillo? Je vous expliquerai plus tard, Seigneur. Maintenant, je suis pressé. Ça va être une rude bataille. Ce merveilleux, ce puissant instrument de travail, ce tracteur superbe qui nous a été offert à nous, travailleurs de Brescello, par les camarades travailleurs de... Brescia-Squa. Oui, enfin, un village russe sur le Don. Je disais, ce merveilleux cadeau, comment pourrions-nous mieux l'honorer que par l'émouvante cérémonie du jumelage? Et si nous... Mais s'il y a quelqu'un dans l'assistance à qui ça plaît pas, eh bien alors c'est à l'opposition de le dire, c'est-à-dire à l'avocat Perletti. Donc la parole est à l'opposition. Messieurs, monsieur Perletti pourrait vous objecter, monsieur le maire, que vous n'avez pas le pouvoir pour décider au nom de tous les citoyens d'une question qui ne regarde pas l'administration, mais seulement la morale et le bon sens. Perletti pourrait aussi vous poser cette question. Si nous étions à votre place et que le général Franco nous fasse cadeau d'un taureau de corrida ou d'une paire de castagnettes, et que nous décidions de nous jumeler avec Madrid, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, dans ce cas, nous, on se mettrait à rigoler. Eh bien, nous, dans votre cas, on rigole tout de suite. Ouais. Est-ce que je pourrais savoir où l'opposition veut en venir au juste avec ses ricanements idiots? À ceci. Votre jumelage, vous devez simplement le proposer et organiser un référendum démocratique pour que chaque citoyen puisse dire si oui ou non il veut ce jumelage avec celui de vipère bolchevique. Retournez à vos places. La proposition de l'opposition est acceptée sans débat. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont bonne mémoire savent que nous n'avons pas peur d'affronter un référendum. Les signatures seront recueillies avec toutes les garanties légales. L'opposition a encore quelque chose à dire? Ah, demandez au conseiller, moi, je ne fais pas de politique, moi. Alors? Terminé. Alors, la séance est levée. Bravo, bravo, bravo. Mais alors, bravo. Prenez ça pour vous mettre. Tu n'as pas l'air satisfait, Don Camillo. Et pourtant, tu viens de gagner ta bataille. Une bataille, Seigneur. Pas la guerre. Ils ont eu la majorité aux élections. Il n'y a pas de raison qu'ils perdent le référendum. Ou alors, il faudrait quelque chose qui retourne l'opinion, mais quelque chose d'énorme, d'inattaquable. Là, Seigneur, là, vous devriez m'aider. Mais donc, Camillo, moi, je ne fais pas la guerre. Je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur. Je ne vous demande pas d'intervenir, mais si vous vouliez me souffler un petit conseil. Monsieur curé. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, s'il vous plaît, nous demandez si possible d'habiter la nuit ici. Mais c'est pas un hôtel ici, c'est une église. Si pas possible ici, nous coucher autre part, écurie ou grenier, pour nous impossible d'aller dans l'hôtel.
Vous n'avez pas d'argent? Nous, pas le passeport, monsieur. Nous venus ici, moi, Sonia et lui, Sacha et 10 autres camarades fonctionnaires. Et puis tous les deux en fuit. Oh, s'il vous plaît, toi, aide-nous. Nous plus vouloir retourner à l'Union soviétique. À l'Union soviétique? Oui. Cette commission de techniciens venue en visite chez nous? Da. C'est eux, seigneur. Vous avez lu le journal de jeudi. Pardon. Je vais vous garder ici. Merci, monseigneur. Non, non, non. Ici, de seigneur, il n'y a que celui qui est cloué sur la croix. Vous avez faim? Oui, beaucoup, très faim. Bon, s'il n'y a que ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est pour dormir. Besoin juste d'un petit lit. Vous êtes marié? Lui, oui, mais non. Ah, alors ça va pas. Oui, parce qu'ici, chez nous, il faut être marié, tous les deux, et ensemble, pour dormir ensemble dans un petit lit. Lui, il dit pourquoi les hommes et les femmes, il dit c'est tout pareil, même chose. C'est pas exactement comme ça. Sans ça, on n'aurait pas besoin de marier des hommes et des femmes et vice versa. Allez, venez, attendez-moi ici. Là. Seigneur, merci Jésus. Ne me remercie pas, Don Camillo. Je t'assure que je n'y suis pour rien. Ah, mes pauvres enfants, c'est qu'un casse-croûte, ça. Mais je vous promets de vous faire faire des repas dont vous vous souviendrez. Hé! Bon repas, miam miam. Ouais, vous n'êtes pas beaucoup bavard. Chez nous, à table, on parle, on discute, on raconte beaucoup. Ouais. À coup de téléphone, Don Camillo fit sortir de leur lit les hommes les plus actifs de son parti et les convoqua la nuit même à une conférence au sommet. Allez. Après les avoir informés de sa trouvaille inespérée, il leur donna des instructions pour utiliser à fond son arme secrète anti-jumelage. Voilà, officiellement, ils devront être reçus dans les fermes comme deux techniciens agricoles français en visite d'études dans la région. Prévenez tout le monde, on pourra faire 3 propriétés par jour, un métayer au petit déjeuner, un fermier au déjeuner et un propriétaire au dîner. Voilà. L'action commença en douceur dans la biscuiterie Benelli. Pain de gêne, biscuit à l'anis, gâteau à la crème, chocolat, pain d'épices. À Novgorod, mangez un jour rat rôti. Et même un chauve-souris. Grand luxe, très cher, 20 roubles un chauve-souris. Puis commença la série des repas chez les propriétaires et les fermiers. Jambon de Parme, salami, dindon rôti, pintade, poulet chasseur, fromage au raisin, tarte maison, vin mousseux, cerise à l'eau de vie. Persécution terrible. Nazis à côté, rien du tout. Là, regardez-lui. Ongles arrachés. Moi, parce que je fais twist, 2 doigts du pied. Crac! Ce travail au casse-croûte commença très vite à donner des résultats pratiques. C'est vrai qu'il faut vivre 2 familles dans une pièce? Chez nous, 18 personnes. Pas possible tous dormir, alors faire un tour chacun 2 heures. 6 dormir, les autres debout escalier. Les pauvres gens. Et les Spoutnik. Oh, conquête de l'espace, oui. Mais le prix aussi pour les mères. Ils choisissent bébés les plus robustes pour les préparer astronautes. Habitants, tout de suite, ils mettent bébé sur manège gigantesque de chevaux blancs. Oh, mon Dieu! Oui, mais ils tournent à 4000 km à l'heure. Beaucoup, beaucoup, petit cœur, eux pas résister. Boum! Il explose. Ah. Chef! Chef! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est les premières signatures, hein? Mais non, ils veulent pas signer. Ils veulent pas signer? Ils veulent pas de jumelage. Comment ça, ils en veulent pas? Qu'est-ce que tu racontes? Mais regardez ça. Dans toute la matinée, j'ai eu 3 signatures, y compris la mienne, celle de ma belle-mère et celle de ma femme, parce que je lui ai promis une raclée. Ouais. Et le bijou? Le bijou, mais c'est la même musique, sauf que lui, il a pas eu celle de sa femme, mais en revanche, il a eu la raclée. Oui. Mais pourquoi ils veulent pas, bon sang? Ils ont bien une raison, non? Aucune, rien. Ils me ferment la porte au nez. À mon idée, il y a là-dessous quelque chose de louche. Les horribles détails donnés par les deux réfugiés avaient ému jusqu'aux partisans de Pépone. Et aucun d'eux n'osa signaler à son chef l'existence des fugitifs. Le malheureux Pépone était au bord de la dépression nerveuse.
Sa femme prit peur. Tu veux que je te le dise pourquoi il signe pas? Mais d'abord, jure-moi que tu feras rien contre eux. Tu le jures? Je jure. Contre qui? Oh, monsieur le maire, je m'excuse d'avoir fait attendre, mais j'allais me coucher, je croyais que c'était l'employé de mairie qui venait me faire signer le papier pour le référendum. Mais j'espère que vous n'êtes pas dérangé. Personnellement, non. Où sont-ils? Qui? Où sont-ils? Les deux Russes. Les Russes? Il n'y a pas de Russes, il y a seulement deux Français. Non, non, ils sont Russes. Je sais tout. Où est-ce que vous les cachez? À quel titre voulez-vous le savoir? En tant que maire, en tant que camarade, ou en tant que camarade maire qui s'est fait avoir? Comme citoyen qui respecte la loi et qui entend la faire respecter. Vous abritez ici deux étrangers sans passeport. C'est contraire à la loi. Vous me les livrez tout de suite de votre plein gré, sans ça, moi, je fais éclater le scandale. Je ne vous livre rien du tout. Mais à titre de pure curiosité, qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Les conduire à l'ambassade de Russie et les rendre à leur légitime propriétaire. Tout être humain a un seul et unique propriétaire, lui-même. Moi, vous... Sonia! Sacha! Ce triste individu... Nous avons entendu tout. Pojarski Goron Mironovich Prasniki Epirikat, Novoski Gospodin. Qu'est-ce qu'il raconte? Plutôt que retourner dans l'enfer soviétique, lui, pou! Da! Moi aussi! Vous osez dire que la Russie est un enfer? Vous n'avez pas honte? Voyons, la Russie, c'est votre grande et belle patrie. Vous devriez vous sentir fiers tous les deux d'appartenir à ce puissant phare de la civilisation qui guide, qui illumine et qui... Quoi? Rien. Monsieur le maire, ici, vous êtes dans une dépendance de l'Église. Et dans tout ce qui touche à l'Église, on ne fait pas de propagande politique. Vous n'en avez pas fait, vous, non? En vous servant aussi lâchement de ces deux individus-là? Ah, c'est ça qui te chatouille, hein? Et maintenant, tu veux te venger sur ces deux innocents? Ah, ces deux-là sont des renégats, d'ignobles traîtres. Mission accomplie, monsieur le maire. La sortie est par ici. Bon, très bien. Je vais donc aller vous dénoncer tous aux carabiniers. Bonsoir, monsieur le curé. Excellente idée, magnifique. Vous allez demander le droit d'asile comme réfugié politique. Et nous verrons à qui le scandale profitera. Ah, non, ne te dérange pas, je vais me dénoncer moi-même. Non! Non! Non, ça, non! Je vous prie, pas possible! Pourquoi? C'est le meilleur moyen, vous non, risquez rien. Non, toi, rien dire. Notre vie devenir trop grand scandale pour Russie. Et Russie alors se venger. Toute notre famille persécutée, affamée, déportée, mourir. Non, ne pas permettre. Oh. Des blagues. Ce ne sont que d'ignobles diffamations. Je ne crois rien du tout. Non, toi, pas été en Russie. Tu connais rien de Russie. Nous, si. Tant pis. Nous retourner. Nous avons rêvé toutes ces belles journées. Avec beaucoup braves gens. Tous nos projets, adieu. Aller à Gênes, chez ton ami, ton prêtre important, travailler et nous gagner argent pour embarquer, et puis rien. Trop beau. Rêve évanoui. Retourner là-bas, nous. Manger chauve-souris et rarotti. Mieux arracher les ongles à nous qu'à nos chers parents. Nous demandons une seule chose, une faveur, une seule. Bon, ben dites. Laissez-nous dormir encore une fois ici, dernière fois, nuit libre d'un pays libre. Vous, jurez-moi sur l'évangile que vous les aiderez pas à fuir. Je le jure. Et vous faites bien, parce que ce repère de brigands est surveillé par mes hommes déjà. J'ai placé des piquets de garde dans tout le village. Vos protégés n'ont aucune chance de pouvoir passer. Je viendrai les chercher demain matin, à 8 h. Nasvidania. Bonne nuit, camarade Beria. Piadile de casa compagnie ou l'île s'agorge. Niet, niet. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit à lui, toi juré que demain tu vas renvoyer nous en Russie. Seigneur, oui, je sais, j'ai juré, mais c'est... jamais que des mots, et qu'est-ce que c'est, quelques mots, en face de deux êtres qui souffrent? Je ne sais pas si vous savez, il y a un souterrain qui part de la crypte et qui aboutit... Malédiction, dépêchez-vous, faites-leur prendre ce qu'ils ont comme nid, et allons-y. Maintenant, mais tu devais venir à 8 h, camarade. Ouais, le camarade devait venir à 8 h, mais moi je devais revenir tout de suite. Pourquoi? Parce que vous,
Vous avez juré de ne pas les aider à fuir, mais moi, non. Voilà. Vous savez peut-être que sous la crypte, il y a un passage qui conduit tout droit à la digue. Bon, je vous attends là-bas avec la voiture. Merci, Seigneur. Arrête, ou tu les emmènes. Ben, la gare, bon sang, prendre le train pour Gênes, c'est là qu'ils veulent aller, non? Vos deux malheureux, là. Et comment tu vas te débrouiller avec tes hommes demain matin? Je vais leur passer un savon qui sera pas volé. Pour leur apprendre à ces idiots à laisser filer les gens entre leurs jambes. Et à faire confiance au curé. Oh, merci, monsieur. Merci, assez, j'ai dit. Et puis surtout, recommencez jamais à venir me raconter vos sales maudites calomnies sur votre Russie. Je veux continuer à croire à la mienne, moi. Bonsoir. Don Camillo remercia Dieu de lui avoir donné un adversaire taillé dans un bois aussi tendre. Par gratitude envers Pépone, il trouva un prétexte pour aller en ville afin de ne pas être présent dans le village quand le pauvre camarade maire proclamerait les résultats du référendum et sa défaite. Il revint un peu plus tard quand il pensa que tout était terminé. Révérend, je vous attendais. Il manque une signature, la vôtre, si vous voulez bien l'ajouter, à condition que vous réussissiez à trouver un coin de libre, parce que... Hey. C'est pas possible. Docteur Perletti et même Rosa Carbone? Cherchez, mon révérend, le sacristain a signé comme les autres. C'est impossible, c'est des faux. Non, pas des faux, elles sont authentiques, mon révérend. Nous avons l'habitude de vendre... des produits d'origine, nous. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais on dirait. Il semble que monsieur le curé n'est au courant de rien. Il n'a peut-être pas regardé le journal! On va réparer ça tout de suite. Voilà. Non. Ça, c'est le journal du parti et monsieur le curé pourrait ne pas y croire. Non, l'honnêteté exige qu'on lui présente un journal indépendant. Lisez-moi ça et vous verrez que le faussaire, c'est vous, mon révérend. Arrestation d'un couple d'escrocs. Vous nous avez servi comme réfugiés russes les dénommés Seretti Adolfo de Naples et Andreani Giuliana de Gorgonzola. Offensés, consternés. Consternés par votre stupidité. Comment pour réagir? Contre deux forts russes, vous vous jetez dans les bras de la redoutable Russie, la vraie? Trahi par de vieux amis. Comment avez-vous pu croire que moi, j'étais complice de ces bandits? S'il y en a un qui ose venir me le dire en face, qu'il vienne. Je lui fais avaler avec toutes ses dents. Pardon, Seigneur. C'est pour ça, mes chers enfants, que votre humble pasteur a perdu tout appétit. J'ai pas mangé depuis 3 jours. Même pas une miette de pain. Et j'ai décidé que je continuerai à pas manger. Non seulement parce que mon estomac s'y refuse, mais aussi parce que c'est le seul moyen que vous m'avez laissé pour protester. La grève de la faim. On peut dire qu'elle est bonne, celle-là. Ah oui, alors? Vous le voyez faire la grève de la faim, lui? Mais qui pourrait le prendre au sérieux? Surtout avec l'aspirateur qu'il a sous le nez. Oh, au lieu de café, chaque matin, il se rince la bouche avec une marmite de minestrone. S'il résiste plus de 3 ou 4 heures, ça veut dire qu'il boit, qu'il mange une cassette, qu'il triche. Don Camillo ne trichait pas. Il fit appeler un huissier pour poser les scellés au placard à provisions, à la cave et au réfrigérateur. Vous voulez contrôler, monsieur le maire? Non, j'ai des choses plus sérieuses à faire que ça. Je ferme? Un moment. Fermez. Il ne voulut écouter personne, pas même ses amis les plus fidèles. Il allait jeûner à mort pour empêcher ce jumelage abominable. Il avait placé son fauteuil au milieu de la salle à manger et il s'y installa à demeure. Tout le pays pouvait le contrôler par la fenêtre ouverte. Il était comme en vitrine, le jour et la nuit, remords vivant et mourant pour la conscience de ses paroissiens. Si on allait saluer le fakir. Eh non, laisse tomber. Ignorons-le, oh, c'est la meilleure des choses. Faut surtout pas faire ça, il serait bien trop tard. Venez, quoi, qu'on rigole un peu, alors.
Gandhi, tiens le coup, tu es tout seul. Et Don Camillo tint le coup, selon les règles, sous contrôle médical, comme tant de prédécesseurs illustres qui avaient affronté avant lui cette forme viscérale de protestation. Tous les matins à 10h, le sacristain affichait le bulletin de santé. Tension artérielle 11,7. Elle a encore baissé. Le pouls aussi s'est affaibli. Et la température, à combien elle est? 35,7. Aïe. Presque comme hier. Poids net, 87,2 kg. Oh, il a encore de quoi. Dans le désert. Mais comment vous avez fait? Moi, il y a à peine 3 jours et je... Vous aussi, Seigneur, vous avez eu des hallucinations? Vous croyez voir, par exemple, la poignée de la porte? C'est du macaroni. Un gros macaroni. J'entends plus votre voix, Jésus. Pourquoi vous ne me répondez pas? Hein? C'est peut-être moi qui ne peux plus vous entendre. Ça doit être ça. C'est la faiblesse. Don Camillo. Don Camillo. Don Camillo, vous m'entendez ou vous êtes déjà en enfer? Pas encore. Le médecin indique qu'avec ma constitution, je peux bien tenir encore une semaine. Si vous êtes venu pour assister à mes funérailles, repassez dans 8 jours. Non. Non, je ne bougerai pas d'ici avant de vous avoir convaincu de mettre fin pour de bon à vos âneries. Vous vous rendez pas compte que tout le pays rigole de vous? Je me rends compte seulement que même toi, tu rigoles plus. Dites. On se connaît depuis combien de temps, nous deux? Dehors. Pas question. Non, non, non. Je peux pas croire que vous restiez totalement insensible à la voix d'un ami qui, pour essayer de vous raccrocher à la vie, voudrait vous évoquer, est-ce que je sais, tout notre passé, nos belles années ensemble, ces années lointaines de notre jeunesse, des années de la guerre que nous avons faites côte à côte, l'occupation, après ça le maquis, dans nos montagnes, vous avez oublié tout ça? Et ces cannelloni de chez la Battiglia? Gratiné et tout coulant de parmesan fendu. Vous vous souvenez? Eh? Vous en aviez toujours le menton tout gras. Tu es un monstre. Et il y avait le poulet aussi, le poulet en croûte avec des belles truffes. Comme elle le faisait bien, la pauvre Désolina. Hein? Va des rétro, Satanas. Quand elle brisait la croûte dorée, cette odeur qui vous montait toute chaude à la figure. C'est simple, rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Pas vous? Non, moi, pas une seule goutte. Non, ben vous avez de la chance, parce que moi, si, ça me donne faim. À propos, ça vous dérange pas au moins que je... Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que ma femme m'a préparé comme casse-croûte? Voyons un peu ça. Oh, 2 saucisses grillées. Elles sont toutes tièdes encore. C'est mon régal. Si ça vous dit, hein, sentez comment ça sent bon. Sentez-moi ça. Hein? Ah, ça c'est... Alors, vous pouvez au moins les sentir, non? Faut pas y aller. Ah. Hein? Courage. Va des rétro, maudit, avec tes saucisses.
J'ai 5,5 de tension. Le pouls à 22. Mais j'ai quand même la force de te jeter dehors, quitte à en crever. Heureusement pour vous que vous êtes à zéro. Crevez tant que vous voudrez, espèce de vieil idiot. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de mourir. C'est pas que j'ai peur, mais... Non. Tu n'es pas en train de mourir, Don Camillo. Ce n'est qu'une petite faiblesse. C'est vrai, Seigneur. Maintenant que je vous entends de nouveau, ça va déjà mieux. Et pourquoi vous ne répondiez pas à votre pauvre Don Camillo qui vous implorait? Parce que je n'entendais pas la voix de Don Camillo, mais seulement celle de son orgueil. Mon orgueil, Seigneur? Mais alors, je permettrai que ma paroisse s'unisse à un pays sans Dieu? Don Camillo, en aucun point de l'univers il n'existe un grain de poussière où Dieu ne soit pas. Seigneur, pardonnez-moi de vous avoir offensé. Et dites un mot de réconfort à votre humble serviteur qui meurt de faim. Je t'en dirai deux, Don Camillo. Bon appétit. Bon appétit, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Vous croyez que je peux... Un petit œuf à la coque? Merci, Seigneur. Camillo avait des provisions pour une semaine. Il les liquida en 3 heures. Il commença à 9h15 et s'arrêta à 10:30. À 12:45, arrivèrent les dames de charité. Poignez-le. Passe-moi les crêpes. Là, voilà. Maintenant, les nouilles. Laissons le souffler. Bon, la bouteille et l'entonnoir. Tension artérielle, minimum 20, maximum 24. Pouls 121. Température, 42 dixièmes. Et chef, et si jamais il allait crever d'indigestion? Eh bien qu'il crève. L'important pour l'opinion publique, c'est qu'il n'est pas crevé de faim. Mais Don Camillo, brebis du Seigneur, avait un estomac de rhinocéros. Et il survécut.
Il eut seulement une convalescence un peu agitée. Don Camillo était persuadé que ce goût imprévu de Pépone pour le tir n'était qu'une nouvelle trouvaille pour lui empoisonner l'existence. Ils partent dans 10 jours. Il paraît que le village russe prépare de grandes cérémonies d'accueil. Ils partent combien? À 4, toujours les mêmes. Pépone, Brusco, Brigeau, Miso. Et tout ça aux frais des contribuables. Et vous, l'opposition, vous restez muet. Ils nous ont cru, c'est le parti qui paie les frais du voyage. Et la commune, elle ne débourse pas un sou. Ben, ils vont raconter quelque chose quand ils vont revenir. Il n'y aura personne pour les démentir. Qu'ils s'en aillent. Comme ça, ils me casseront plus les oreilles. En regardant mieux, Don Camillo s'aperçut que ce n'était pas lui que visait Pépone, mais un autre objectif. Ou plus exactement, une autre. Aussitôt, le cerveau volcanique de Don Camillo commença à travailler. Et Pépone devint l'objet d'une étroite surveillance exercée jour et nuit. Don Camillo élabora un projet de vengeance qui le paierait largement de sa défaite. Et une nuit sans lune, à 2 heures du matin. Hé, quelle belle ligne tu as, toi, comme ligne de vie. Et sur ma ligne de cœur, qu'est-ce que tu lis? Attends, à côté, je vois... Oh, un beau voyage, dis. Qui est dommage que je puisse pas t'emmener. Merci. Non. Ici, tu sais. Et tu connaîtras mes désirs. Monsieur le maire Pépone au téléphone. Au téléphone? On demande monsieur le maire au téléphone. C'est inutile, les sorties sont bloquées. Ah! Un serpent! Si tu veux te faire entendre, parle dans le micro. Misérable, qu'est-ce que vous voulez? J'ai accroché ma camionnette à la roulotte. Et je vais la remorquer jusque dans la cour de ta maison, puis j'appellerai ta femme pour qu'elle vienne te délivrer. Oh non, ils vont m'enlever la licence! Ah, mais là, il fait rigole. Donc, Camillo, arrêtez, je ne suis pas à discuter, arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Pas grand-chose, hein, presque rien. Simplement que tu m'emmènes avec toi en Russie. Pépone, tu es mort? En Russie? Vous êtes devenu complètement fou. Bon, alors, on démarre, fin de l'émission. Oh non, secours, arrêtez! Mais réfléchissez un peu, Don Camillo. Comment je pourrais emmener un curé en Russie? Je m'habillerai en civil, hein? Le mot curé, il n'est pas écrit sur ma figure. Mais alors, Brusco et les autres camarades? Ah, s'ils ont cru à Karl Marx, tu peux leur raconter n'importe quelle blague. Ils avaleront, hein? Et le passeport? Tout est prêt. J'ai le passeport, le visa de l'ambassade, et j'ai même la carte du parti. Je suis le camarade Camille Tarotti. Dites, où on est là maintenant? Où? On arrive devant chez toi. Oh, arrêtez, faites pas l'idiot, Don Camillo. J'accepte de vous emmener, mais arrêtez. Oui, arrêtez. Minute, ne nous emballons pas, hein. Tu vas me signer cette déclaration. Comme quoi tu reconnais être venu à 2 heures du matin te faire faire les lignes de la main par mademoiselle Irma. Je t'envoie la déclaration par pneumatique et tu me la renvoies par pneumatique. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me comprends pas? Rends-moi mon stylo, imbécile! Ils vont me retirer ma licence! C'est correct.
pas s'il a dit ça, Karl Marx, c'est la vérité. C'est une grande maxime politique. Et de vrai pour lui mettre le nez dedans comme un petit chat. Faudrait essayer de le traîner en Russie avec nous, le mettre au pied du mur. Et puis lui dire, révérend, maintenant que vous avez vu grâce à nous ce qu'est notre enfer, si vous nous le faisiez voir, votre paradis. Et de cette façon, on lui enlèverait son arme la plus puissante, le mensonge. Mais pour un curé, aller là-bas. Un curé, non, mais... Et toi, tu es d'accord? Oh, l'idée est bonne. Mais moi, c'est le principe que je peux pas encaisser. On va pas permettre qu'un curé ultramaudit vienne avec nous en Russie, ça me ferait mal. Faut pas exagérer. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas simple. Seigneur, je pars, j'ai obtenu un congé de maladie. Seigneur, il est dit, le bon pasteur ira sauver la brebis égarée. Vous me dites rien, Seigneur? Je te dis bon voyage, camarade Don Camillo. Toilette. Au fond de la salle. Un singe anneau blanc. C'est pas à vous, c'est au révérend. Ça n'a aucune importance. C'est moi. À présent, je suis sûr qu'il ne viendra plus. Il a dû réfléchir. Je l'avais bien dit. Bien, voilà. Commence pas. Salut, chef. Vous avez peur que je manque le train? Au contraire, je l'espérais. C'est raté. Ah, vous êtes joli, mais vous êtes déguisé en quoi? En camarade, camarade. Commencez pas vos pitreries, on voyage pas tout seul. Ça va, ça va, ça va. Non, c'est vrai, faites attention, nous sommes pas seuls. Il y a aussi Scamoggia avec nous. Qui c'est celui-là? Rien, c'est un responsable désigné par le parti pour nous accompagner en Russie. Ah, ils en ont trouvé un qui parle russe, hein? Non, il parle pas russe. Ah non? Ah ben je comprends, c'est pas ce que disent les Russes qu'il doit écouter, c'est ce que nous disons nous. Non, c'est un journaliste. Il est chargé simplement de faire le reportage du voyage et du jumelage. Oh, mon œil. Il arrive. Hein? Où il est? Ah oui, Scamoggia. Oh! Oh, adieu, hein? Adieu, chérie. Oui, oh! Eh ben, laisse-en un peu pour le retour. Et qu'est-ce que tu leur fais aux petites... En voiture. Tu as du rouge, là. Eh, viens te reposer, là. Essuie-toi les lèvres. Ah, Scamoggia, je te présente Donizetti, le camarade Gaetano Donizetti. Donizetti, pourquoi pas Mozart? Je m'appelle Tarocci. Non, je te demande pardon, mais les noms, tu sais. Enchanté, camarade. Nous tous ensemble, et le camerard, c'est là que travaille notre grand chef à tous. Hélas, Moscou était caché par les nuages. Ce fut quand même un moment de grande émotion. Et 2 heures plus tard, ils touchèrent enfin le sol de la Russie sur un petit aéroport de la région du Don. Salut, camarade italien. Je suis Nadia Petrovna, du centre interprète de Rostov. Elle est charmante, hein? Et voici le camarade Yann Gauregov, fonctionnaire in touriste. Nous vous assisterons pendant votre séjour en Union soviétique. Ah oui? En vous souhaitant bienvenue, le camarade Oregov vous remet à chacun le programme établi pour votre séjour. 2, 3, 4. Point A. Arrivé à Rostov. Terminé. 6. Et maintenant, nous passons au point B. Transport final à destination par car Pullman. Camarade, tu as envie d'embrasser ce sol sacré? Si, de vous en faire avaler une pelletée. C'est Tovarich Botadzi? Ah, non, c'est moi, c'est lui, c'est moi. Moi, Ivan. Le camarade président du kolkhoz. Mmh.
Non, attendez, là, souriez. Et alors, qu'est-ce que c'est, ces passages? C'est une coutume russe très ancienne. Ah bon, mais alors tu ne pouvais pas le dire plus tôt, hein? Oh! Les camarades italiens furent ensuite conduits à l'hôtel où ils purent se reposer de leurs émotions. Pépone dormit d'un sommeil peuplé de cauchemars et d'hallucinations. On peut entrer, camarade. Ah, une minute. Excusez-nous, nous sommes tous nus. Dans 25 minutes commencera le programme de la matinée. Rendez-vous dans le hall. Dio gracias. De rien. La bénédiction, gardez-la pour vous, espèce de fou inconscient. Et rangez-moi tout de suite tout votre attirail. Pardonnez-lui, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il dit. Il a une frousse abominable. Chut. Mais taisez-vous donc! On vous a jamais dit qu'ils mettaient des microbes partout, non? Mais non, des histoires, camarades, des histoires inventées par la propagande cléricale. Pardonnez-moi, Seigneur, de vous avoir fait des bras pliants et de vous enfermer dans cette toute petite boîte, mais c'était le seul moyen de vous emmener avec moi, sur mon cœur. Nadia. Merci, camarade. À présent, pour la cérémonie du jumelage, nous allons passer dans la nouvelle salle du kolkhoz. Permets-moi de t'offrir un modeste cadeau de la part de nos camarades de Brechel. Dans le but de sceller le jumelage entre entre votre village et Brechello, au nom de Rome, mère de tous les peuples et de la civilisation. Permets-moi aussi, camarade président, de t'offrir quelques spécialités produites de notre région. Ceci, c'est notre fameux jambon de Parme, que vous devez connaître sûrement, au moins de nom. Ah, voici notre fameux vin de Lambrusco. C'est un produit typique des vignobles de notre province. Un vin mousseux, digestif et diurétique. Et il est rouge comme nous. Le camarade président demande ce qu'il y a sous le grand chapeau. Non, c'est pas un grand chapeau. Là. C'est un petit fromage. Un vrai fromage parmesan mûri en cave. Bravo. Ivan! Исполни сейчас же приказ. Конечно. Надя, иди сюда. Скажи этим итальянцам, pour raison de force majeure, la cérémonie est suspendue jusqu'à nouvel ordre, camarade. Vous devez retourner maintenant à l'hôtel et reprenez vos cadeaux, s'il vous plaît. Tout ça va. Quoi? Idiot. Bistrier. Эй, возвратите серп и молот. Не теряем время. Идем.
Idiom. Bistrier, Bistrier. Écoute, camarade, on peut connaître la raison de ce... Bistrier, Bistrier. Le camarade Orégoff m'a chargé de vous informer qu'après l'annulation du point C, c'est-à-dire la cérémonie du jumelage, nous passons directement au point E, repos obligatoire à l'hôtel. Mais le point D, banquet en l'honneur des autres. Voyez, pratiquement il faisait partie du point C. La cérémonie, en se prolongeant jusqu'à la fin de l'après-midi, incorporait le point D, Nadia. Le banquet. C'est clair? Très clair. Nous, on incorpore zéro. Écoute, à moi, tu peux me le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, là, tout ça? Bonne chance, camarade. Non, mais pourquoi bonne chance? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais Nadia! Pourquoi? J'ai pas le droit de sortir? Eh ben, c'est clair, on est prisonnier. Mais j'ai rien fait, moi, je suis innocent, je suis journaliste, oui, journaliste et photographe. Oui, mais va, allez, de la discipline, va. Non, mais vous vous trompez, moi je suis pas de leur bande, moi je suis le journaliste. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il arrête. Non, ils vont l'interroger comme nous allons l'être tous l'un après l'autre, en bonheur qu'il commence par lui, qui est au courant de rien. Monte. Au courant de quoi? On a de cause en haut dans la chambre, va, oust. Vous allez avancer, ou? Vous avez pas compris encore, non? Ils ont découvert que c'est un curé. Pourquoi? Ça se voit à ma figure? Alors lui, il est plus curé que moi. Lui. Quoi? Entiez-le, là-haut. Oui, mais c'est vous qui avez dit la messe dans cette pièce pleine de microphones. Si c'est plein de micros dans la chambre, pourquoi tu hurles comme ça? Ah ouais. Chut, moins fort. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire, chef? Tu vas te taire, toi. Mais il faut se taire. Je te dis qu'il faut se taire. Alors, quand même, comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Cobraille, le quand on le leur donne tout ficelé et empaqueté et ensuite qu'ils en passent ce qu'ils voudront. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Excusez. Oh. Non. Commençons pas à dire des bêtises. Non. Du calme, hein? Et n'oubliez pas que c'est vous qui m'avait décidé à venir toucher du doigt votre paradis. Et que même sous la torture, là, je ne sais pas ce que je ferai. Il faudra nier, en tout cas. Nier et nier tout, coûte que coûte, jusqu'à l'évidence y comprise. D'abord, ce qu'il faut, c'est détruire les preuves avant qu'il les découvre. Comment ça, quelle preuve? Les tôles, le crucifix, les hosties, les bréviaires de Lénine, tout le bazar qu'il a emporté avec lui, ce maudit imbécile. Sautez-lui dessus, il a tout sous le chapeau. Arrêtez! Ariel! C'est un sacrilège! C'est pas un chapeau, c'est un tabernacle! Et j'ai aussi de l'huile sainte! Chut. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, c'est toi! Parce que moi, ils m'auront pas vivant! Comment ça va, Scamoggia? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Hein? Assez fort. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Des questions sur nous? Et pourquoi tu parles à voix basse? Chut. Parce que c'est bourré de microphones partout ici, cachés dans tous les coins. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Oui, ils m'ont rien demandé, ils m'ont seulement confisqué l'appareil photographique, là. L'appareil? Mais qu'est-ce qu'il leur a fait, l'appareil photographique? Mais est-ce que je sais, moi, ce qu'il leur a fait? Moins fort. Bon, alors cherchez-les, ces micros. Arrachez-les, mais faisons quelque chose. Parce que moi, si je peux pas me défouler, j'éclate! Mais tu les caches derrière les tableaux. Enfin, il a raison. Vous n'avez pas regardé sous la photo de Khrouchtchev? Qui l'a décroché? C'est pas moi, hein? Moi non plus. Personne. Je vais aller voir dans ma chambre. Il y en avait un, là? Il y est? Non, plus rien. Et là, là il en avait plus. Aussi. Il n'y est plus. Mais où il est? Où ils sont? Qu'est-ce que vous avez fait, les Khrouchtchev? Je ne comprends pas. Ils les ont tous enlevés, partout. Ils les ont tous retirés. Pourquoi? Je vais demander des explications. Pépone intervint avec toute son autorité. L'importance de la découverte justifiait après tout une demande d'éclaircissement immédiat. Donc, sur ce point précis,
j'exige formellement qualité de chef de la délégation italienne, qu'on me donne tout de suite les raisons pour lesquelles on a retiré les portraits de Nikita Sergei Khrouchtchev. Traduisez. Почему сняли портреты Хрущева? Поучистить. Pour les épousseter. Hein? Eh oui. Merci. Le lendemain, une réponse plus complète vint se poser sur les murs et déclencha un déluge de commentaires. Pourquoi pas? Vous allez arrêter ces discussions, elles reposent sur rien. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas ou ce qu'il peut avoir dans la tête? Et justement, c'est ce que nous essayons de deviner. Redoutant l'inconnu, les camarades italiens se laissèrent emporter par la prudence. Ils partagèrent les provisions et décidèrent de gagner le plus proche consulat italien. In caso di pericolo, chacun pour soi et Dieu pour tous. Avancez sur la pointe des pieds, pas un mot. Ouvre la porte, toi. Et elle est fermée. Impossible que ça. Oh, eh ben, passons par l'autre côté, alors. Dépêchez-vous. Côté, chef. Par les cuisines, avancez, avancez. Oh, j'étais mieux par la fenêtre avec les draps. Tais-toi. Où allez-vous, camarade italien? Le mécanicien avait changé, mais le train, heureusement, n'avait pas modifié sa direction. Allez, il n'y a qu'à tout planquer derrière. Va chercher la Louve romaine, va vite. Oh là. Non, pas toi, alors. Ça, alors. Ils sont tous en train de s'embrasser. Pardon. Permettez. Botazzi. Voilà la Louve. Merci. Tiens-la bien. Oui, hein? Merci. Oh, Nadia. Eh bien, alors, on se le fait, ce jumelage. Ah oui, c'est très gentil, merci. Trésor. Tom Flash, elle a manque pas cette photo-là, hein? Nadia. Mais qu'est-ce que tu me donnes? Tu vois pas qu'elle est vide? Hey, je n'ai cassé une plaine, ça fait rien si la fête se s'arrose. Hey, Nadiushka, écoute. Oui? Tu n'aurais pas vu par hasard ce film américain qui s'appelait Ninotchka? Non. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a Greta Garbo qui fait un rôle comme le tien, quoi, de fonctionnaire. Oui. Mais elle est envoyée en mission à Paris, où elle prend goût au bain de soie, à la toilette, au champagne. Mmh. Et elle rencontre un brave garçon, quoi, dans mon genre, et elle en tombe amoureuse. Et elle reste à Paris. Ah. Elle choisit la belle vie. Oui. C'est un film tout à fait honteux de la propagande capitaliste et réactionnaire. Mais bien sûr. Une honte, une nuit. Hey! Cadavi! Hey! Et comment ça finit? Comment ça finit quoi? Ce film américain, à la fin, est-ce qu'il se marie? Mais non, penses-tu que tu es folle? Non, je ne sais pas laisser pervertir à ce point-là. Ils ont vécu ensemble une très belle aventure et puis chacun d'eux repartit de son côté. Alors ça finit mal. Mais non, ça finit très bien. Après, ils se sont écrits des lettres, des cartes, même des télégrammes. En somme, ils ne se sont pas oubliés. Ah,
J'ai seulement refusé de continuer. C'est pas du tout pareil. Mais le résultat est le même. Ivan Urs bat Pépone, Italie, par 6 verres à la 2e bouteille. Non, je suis pas du tout d'accord sur ce règlement-là. Un coup après l'autre, remplir les verres et les vider cul sec. Non, c'est un truc de sauvage. Qui vient en Italie à l'agnole? Pas la vodka, lui cul sec et moi la gorgée. Tu entends? Ils pleurent tous de la même façon. Ici, comme chez nous, hein. Attends. Ah voilà. Ici comme chez nous. C'est réconfortant. Oh. Eh bien, moi, tu vois, aujourd'hui, pour certaines choses, je finis par comprendre même ton jumelage. Bravo, camarade, tu fais des progrès. Non, je viens de me rendre compte que le patron de la maison, au fond, c'est toujours le même. Oui, oui, seulement ici, on l'a expulsé, voilà la différence. Du rez-de-chaussée. Mais pour le déloger des étages supérieurs, c'est moins facile. Ouf. Dommage. Elle était jolie, cette petite église. Bande de lâches assassins. Qu'est-ce que vous avez dit? Bande de lâches assassins. Chut! Vous êtes fou? Nous sommes en Russie. Je sais. Je comprends pas. Apolsky, pourquoi l'église est ouverte et ici, elle est fermée? Liberté du culte. Ce qui veut dire que les gens d'ici, s'ils veulent aller à la messe, ils sont obligés de faire 18 km à pied. Liberté du culte avait l'obligation de faire un peu de sport. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Vous mourrez d'envie d'aller jeter un coup d'œil dans ce grenier, hein? Moi? Et s'il me trouve? Bonne nuit. Et évitez de faire trop de bruit en rentrant ou vous aurez un soulier en plein dans la figure. Seigneur, je comprends qu'ici vous ayez l'habitude de parler russe. Mais moi, je ne suis pas encore de ce pays. Seigneur, vous disiez? Je disais, comment on se retrouve, Don Camillo? Dans quel état je vous trouve, Jésus? Tu sais, j'en ai vu d'autres depuis 2000 ans. Mais votre maison, Seigneur, votre pauvre maison. Elle est pleine de blé. Le blé, c'est le pain des hommes. Et le pain, c'est moi. Oui, Seigneur. Quand ils viennent chercher leurs grains, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à moi, même ceux qui n'entraient jamais ici auparavant. Et ils me parlent sans dire un mot. J'ai compris, Seigneur. Pardonnez-moi. Programme du lendemain, point R des réjouissances. Concours de pêche à l'esturgeon entre les champions du Don et ceux du Pont.
Bonjour, hein. Tovarich. L'équipe italienne se battait farouchement. Mais l'un de ses membres semblait manquer de la concentration nécessaire. Tu participes pas au concours? Les soviets t'ont acheté pour les faire gagner? Écoutez, Don Camillo, j'ai besoin de vous parler. Oh, que malheur. À qui c'est que tu veux parler? Aux camarades ou au curé? C'est une chose en rapport avec mes vieux. Vous les connaissez? Ah, oui. Et je regrette pour eux qu'ils aient un chenapan de fils comme toi. Révérend, vous savez que j'avais un frère qui a été tué en Russie. Ah, oui. Eh bien, il est tombé dans cette région du Don pendant la bataille de 1941. Oui, je connais. Attendez. C'est l'aumônier qui a envoyé cette photo-là à ma mère. Tenez, voyez au premier rang la tombe, c'est ici que mon frère est enterré. Ma mère m'a fait jurer de la retrouver et d'aller y faire brûler un cierge. Là-dessus, j'ai le plan de l'endroit. C'est dans le coin, mais je ne trouverai jamais tout seul. C'est que j'y comprends rien, leur foutu nom écrit en ostrogoth. Et le nord et le sud... Pourquoi tu demandes ça à moi? Adresse-toi à Pépon, peut-être que le nord et le sud, il le connaît, lui. Je peux pas, non. Regardez ce qu'il y a derrière. Chemise noire, tu m'avais toujours dit qu'il était chasseur alpin. Tiens, bien sûr. Alors tu vois, après les temps, voilà l'arbre. Mais est-ce que c'est bien celui-là? Eh bien, si c'est celui-là, on le verra à l'inscription. Aïe! En tout cas, il a de belles racines, hein? Voilà, c'est ici. Voilà, camarade, où ton frère est enterré. Cherche avec un hélicoptère. Planquons-nous. Enfin, passe-tu. Qu'est-ce que je vous disais, révérend? Il nous attaque au gaz asphyxiant. Mais non, c'est de l'engrais. Il nous fertilise. Allez, filons. Oh! Hé, hey, Tovarich! Hé, camarade! Hé! Camarade, te sauve pas! Arrête! Il vous a vu bénir le champ. Il a découvert que vous êtes curé. Il est parti nous moucharder. Allez savoir pourquoi, Don Camillo n'arrivait pas à prendre la situation au tragique. De fait, ce soir-là, tout semblait tranquille. Italiens et Russes se préparaient pour les festivités du soir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Tovarich Tarocci. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben voilà, on espérait bien que vous étiez noyé. Il s'en est fallu de peu, hein. Le courant nous a entraînés. Faites pas tant de mystères et dites-moi qui vous glisse des billets doux sous la porte. Vous avez un flirt, hein? Vous devez le savoir.
puisque tu as eu la délicatesse de l'ouvrir. Dites, pas cacheté, aucune signature, et puis elle est écrite tout en russe. Oh, c'est pas du russe, ça, c'est du latin. Toi, me conditionnem sacerdotis. Allez, traduisez. La lettre disait, quelqu'un a besoin d'un prêtre, va en cachette chez Ivan, le président du Kolkhoz. Sa vieille mère ne veut pas mourir sans Dieu. Quando non suami ancora, e il mio testimonio sia. Je m'en vais. Vous êtes complètement fou. Vous voulez qu'on finisse tous en Sibérie. Ils se sont rendus compte que vous êtes un sale curé. C'est un piège, la lettre. C'est facile à comprendre, non? Possible, mais ça n'était pas un et que j'y aille pas. Je m'en consolerai jamais. Non, non, pas question. Il est nice, hein? Oh oui, très beau, les voix, le jeu, le décor, tout, bravo. Mais regarde où ils en sont, voyons, ils sautent au moins 20 minutes de spectacle. Pas dommage, hein, j'ai eu une fin. Des... Mais comment pas dommage? Dans une demi-heure, ils auront fini à cette vitesse. Et donc, Camillo. N'ayez pas peur, mon enfant. Peur, pas peur. Non, non, moi, ami. Non, moi, pas voleur. Compris? Moi, prêtre. Jésus. T'apporte Jésus. Давно не была в церкви. Я боюсь ходить в церковь. Я ничего не понимаю. Я боюсь за детей. Moi, я боюсь за своих детей. Я за внуков боюсь. Pas Они comprendre. Не крещенные. Anglais, я крала peut-être. Для детей. Я крала, крала, крала. Do you speak English? Я боюсь за своих детей. Я боюсь за своих Moi, детей. Pas comprendre. Je dois comprendre. Поп! Поп! Поп? Да-да, поп! Tu es un prêtre, hein? Tu es un prêtre, hein? Нет, нет. Si, si, tu es un prêtre sans courage. Mais tu es un prêtre lâche. Нет. Tu es un lâche. Ah, c'est facile d'écrire des lettres anonymes. Tu vas y aller tout de suite, hein? Ou moi, je t'y conduis de force. Боюсь. Allez. Пусти. Пусти. Батюшка, дорогой, я хочу исповедоваться, хочу причаститься. Tu as entendu ce qu'elle t'a dit? Te surveille de la porte. Fais ton devoir. Mmh.
Отца, и Сына, и Святого Духа. Когда вы исповедовались? Давно я уже не исповедовалась. Не помню, когда. Лет 20. Когда еще муж ушел в больницу. Пшт! Venez! Dépêchez-vous, vite! Du calme, du calme. Vous allez être au deuxième acte? Non! À la deuxième bouteille! Quoi? Leur Traviata a été supersonique et Pépone, pour qu'Ivan n'y rentre pas à la maison, il les a emmenés tous à l'hôtel pour prendre sa revanche à la vodka. Bravo, dis-lui qu'il tienne bon. Oui, mais jusqu'à quand? Vous en avez encore pour longtemps avec cette punaise? Ah, j'ai idée que ça va être long, hein? Il y a au moins 20 ans qu'elle ne s'est pas confessée. Allez, pour l'Italie, chef, allez! Vas-y, tiens bon, allez, allez, Italie! Voilà les nouvelles. Allez, courage! En avant, Italie, courage! Allez, courage! Allez, allez, vas-y! Pépone tenait bon. Mais malheureusement pour lui, en plus de la vieille mère d'Ivan à confesser, il y avait dans la maison quatre enfants qui n'étaient pas baptisés. Открой! Открой! Courage, chef! Pense à la Sibérie! Allez! Allez! Allez, allez! Открой! Allez, allez! Открой! Открой! Allez, plus haut, plus haut! Attention, l'hypercute! Pas comme ça! Non, comme ça, tu as l'enfant sur le nez! Attention! Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Non sont dignes. Vous avez entendu, Seigneur? Il dit qu'il n'est pas digne. Pas digne. Avec des muscles comme ça. Allez, remets-toi. Allez, en garde. Et surtout, de la foi. De la foi et des jambes. Là. Allez, hop, pi, paf, ici. Là. Oh, allez, hop, En rentrant à l'hôtel, Don Camillo se rendit compte qu'il n'était pas le seul qui fut tenu éveillé par l'amour du prochain. Nadia, ouvre-moi, sois gentille. Écoute, je pars demain, on ne se verra plus. Un moment, pour nous dire au mieux bonsoir, c'est tout. Un tout petit moment. Allez, ouvre, il n'y a personne. Ils sont tous couchés. Hé, hey, camarade Scamoge, tu n'as pas une allumette? Chut! Allez, va-t'en, allez, oh, oh! Qu'est-ce que c'est, toutes ces manières-là? Pourquoi je dois m'en aller? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu as fini de faire le moulin avant, ou tu as des allumettes, ou tu n'en as pas? Non. Tu les as, tes allumettes, alors ferme-la maintenant. Tu n'as pas vu, elle allait me laisser entrer. Qui? La petite fonctionnaire? Nadiushka, ouvre-moi. Ah, je comprends. Tu vois, c'est pas le jumelage que tu veux faire, toi. C'est des jumeaux, hein? Pardon. Et peut-être sans le vouloir, je t'ai tout fait rater. Non, n'en parlons plus. Allez, filons. Je le regrette, Scamoge. Ça fait rien. Allons nous coucher maintenant. Salut, bonne nuit, Taroche. Bonne nuit. Au fond, pour toi, ça n'a pas d'importance. Une de plus, une de moins. Ça a l'air d'une brave fille, cette petite. Et peut-être qu'un jour, tu regretteras pas de l'avoir respectée, non? Si j'ai bien compris, je dois te remercier. Très bien. Dans ce cas, je te remercie, Taroji. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit, Nadiushka. On se verra demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il a? Chut. Il est vainqueur du match à la vodka. Oh, j'avais oublié. Ah, j'ai compris, il faut qu'on le retourne. Allez, venez, aidez-moi. Je lui tiens le bras, moi. Allez, on le retourne. On le couche sur le bal. Là, voilà. Mais non, il faut qu'il soit parti sur le bal. Pépone, regarde-moi, écoute-moi. C'est moi, Donizetti. Que la peste vous étrangle. Il est sauvé. Il m'a reconnu. Non, 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 pas à lui, on en discutait avec moi. Chietiri. Oui, oui,
J'ai compris. 4 par heure. Hein? Oh, voilà. 4 par heure. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, c'est l'ordonnance. Non, sûrement pas. Non, non, c'est un imprimé. Il faut que je signe. Niet, Gaspardine. Qui, lui? C'est lui qui doit signer. Gaspardine. À quel pays, alors? Pour le permis d'inhumer, l'intéressé aussi doit signer. Niet, Gaspardine. Ah, j'ai jamais vu ça. Allez, Oïs, fais pas le bon. Allez, hop. Tirez-moi ça, allez. Foutez-le, il va retomber. Ah, c'est bien. Là, ça ira, Là, ici, tiens, voilà. Non, c'est pas un thermomètre, c'est un stylo, ça, non, voilà. Allez, non, c'est un stylo, je te dis. C'est à signer là, ici, signe là. Pepone Botasi, là. Botasi, ici, si. Voilà. Allez, ça va. Voilà. Kopek? Niet, Kopek. Niet. David Dania, vous aussi. Allez, vous aussi. Priez votre bon Dieu qu'il s'en sorte, parce que sinon, hein. Camille. Oh. Tenez-moi la main. Tenez-moi bien. J'ai peur. Mais je sais pas, je veux pas rester tout seul. Je veux pas crever ici comme un chien, loin de chez moi, dans un pays étranger. Calme. Mais enfin, c'est la grande Russie, la mère des peuples. Tenez-moi votre parole. Que demain vous m'emmènerez, quoi qu'il arrive. Même si je suis inconscient, si je suis moribond, je veux partir. Vous m'emmènerez, hein? Tu partiras d'ici quand tu seras guéri. D'abord, c'est l'heure de tes pilules. Il a dit 4 par heure. Donnez-moi 8. Oh! Niet! Niet! Oh! Oh! Le camarade Ivan dit que votre visite a été pour nous comme un rayon de votre beau soleil. Il regrette seulement qu'elle a été aussi brève. Мы надеемся ответить на визит, но это не предвидено и не указано в программе. Pourrons-nous vous la rendre, camarade? Non, nous le voudrions, mais ce n'est pas prévu au programme officiel. C'est fini, nous ne nous verrons jamais plus. И вас уверяем, что никогда не забудем хорошие моменты, проведенные вместе. Nous vous assurons que nous n'oublierons jamais tous ces bons moments passés ensemble. Nous n'oublierons ni vos voix, ni vos visages. Et nous espérons que vous aussi. Adieu, camarade. Я кончил. Et retourne-toi, tu vois pas qu'elle pleure, non? Bonjour, Altatore. Allez, chef, monte. Allez, un petit effort. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? La liberté du culte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est rien. C'est un petit accrochage sans importance, comme il s'en produisait entre toi et moi, monsieur le maire. Товарищ Иван заболел. Не может вас провожать. Maintenant, nous sommes vraiment jumelés. Carrier, Пойдем. Carrier. Edith, on n'a pas fait nos adieux à Nadia. Je suis là. Adieu. On se reverra peut-être en Italie. Adieu. Qu'est-ce que tu fais? Reste pas là. Allez, entre.
запрещено держать вещи на полке. Oui, c'est à moi, ça. Votre femme journal? Donne, oui, ça peut toujours servir à prendre le russe. Journal? Niet. Dites-vous tous, donnez-moi les roubles qui vous restent. Quoi? Quoi? Donnez-moi vos roubles, je reste avec Nadia. Non. Oh, merci. Tiens. Tu veux rester ici, c'est vrai? Donnez, dépêchez-vous. Merci. Je vous les rendrai, mais quand, j'en sais rien. Hein? Merci. Toi, Tarocci, tu l'emporteras pas en paradis. Parce que tout ça, c'est ta faute. Moi, je le savais. La première que tu respectes, elle te passe la corde au cou. Bon, alors, salut à tous et bon voyage. Adieu et bonne chance. À toi aussi. Hein? Regardez! On dit toujours que la femme russe est trois fois femme. Cette fois, ignorant. Et comme elle est fonctionnaire, disons une fois et demie, en tout cas, c'est une belle preuve d'amour. Hein. Quoi? Ben, de rester ici, on ne sait combien de temps, dans ce pays perdu de sauvages. Et toujours ces réflexions idiotes et calomnieuses propres à un réactionnaire qui n'irait jusqu'à la lumière du soleil. Ce sont tes propres paroles prononcées à l'article de la mort. Tenez-moi la main, mon révérend. Jurez-moi que vous m'emmènerez. J'étais ivre-mort. Vous pouvez pas tenir compte des divagations d'un ivrogne. Maintenant, je suis lucide. C'est une autre histoire. Doucement. Oui, c'est moi. Со мной, пожалуйста. Hein? Идем со мной, не бойтесь. Пожалуйста, идите. Qu'est-ce que dit? Je comprends. Allez, va, vas-y. Je ne sais rien, tu verras. Non, non, mais non. Mais non. Allez, allez, va. Va. Пожалуйста. Je m'excuse, mais vous m'emmenez où? Vous pouvez me le dire? Gaspadine Botazzi, le parti très préoccupé par ton santé, offre parfait traitement clinique. Pas responsabilité prostitue. Non, non, merci, je vais très bien, je suis guéri. Niet, niet, tu dis non ici. Ah ben, je dis là. Non, c'est une nature à toi. Non. Si. Oui, on dirait. Très bonne clinique, je te jure. Non, mais je vais bien, je t'assure. Bon, je vous prie, Gaspardine. Pas refuser un pareil honneur à la grande Union soviétique, ou alors tu n'as pas confiance. Donc, Donizetti, vous êtes une ordure. Bien sûr, j'ai confiance. Oui, oui. Je suis le docteur. Oui. Allez. Mais il nous l'emmène où? Ah, est-ce que je sais? T'en fais pas, camarade. Ah, je suis pas jeune. Tous les chefs communistes viennent faire une cure en Russie un jour ou l'autre. Les cliniques soviétiques sont formidables. Elles le sont un peu trop pour moi. Si je donne pas signe de vie, alerter la Croix-Rouge. Et aussi l'ONU, le Vatican aussi, Don Camillo, le Vatican, Don Camillo. Oui. Tâchez de faire quelque chose pour lui. Ah, c'est vrai, tu comprends pas, toi. Erreur, mon révérend. Notre service renseignement est le meilleur qui soit au monde. Et nous savions qui vous étiez avant même que vous soyez parti. Mais nous n'avons de secret pour personne. Dites-le au pape. Dites-lui que ce n'est pas si terrible que ça chez nous. Dites-lui de venir nous voir. Bon voyage. Parler au pape, non. Mais Don Camillo devait au moins aller parler à son évêque pour soulager sa conscience du poids de cette escapade en Russie. Dans une peau bolchevique. Ce n'est qu'après 2 mois qu'il trouva le courage nécessaire. Alors, des nouvelles? Il a écrit aujourd'hui. C'est presque fini. Ils lui ont aussi coupé les amygdales, les végétations, les Russes. Varices, hernie, appendice, lavage des reins, prothèse dentaire, cure de rajeunissement et raser la moustache. Il ne manque plus qu'à lui ôter sa verrue dans le cou. Espérons qu'ils oublieront pas de lui laver la cervelle. Allez, vas-y, toi. Don Camillo était décidé à tout avouer, même si sa confession devait avoir pour conséquence de le rétrograder au rang de sacristain. Oh, Don Camillo, vous voilà revenu de votre congé de convalescence. Mais vous avez une mine superbe. Où êtes-vous allé vous reposer?
Donnez-moi l'adresse, j'irai bien moi aussi. Oh, ça, c'est assez compliqué, monseigneur. Justement, je voulais savoir, monseigneur, voilà, à ce sujet... Vous savez que c'est presque un cas de télépathie. Vous m'avez demandé audience. Et moi, j'étais justement sur le point de vous envoyer chercher. Alors, vous parlez le premier ou je parle d'abord? Oh non, vous d'abord, monseigneur. Moi, monseigneur, je suis pas pressé, surtout que... Très bien. La Curie a décidé d'organiser un voyage culturel à l'étranger. C'est un groupe de religieux qui ne sont pratiquement jamais sortis de leur coquille. Il est donc nécessaire de mettre à la tête de cette délégation un homme qui ait du sens pratique et qui ait voyagé. En somme, donc, Camillo, vous. Moi, monseigneur? Eh oui. Et ce voyage, c'est pour aller où? Oh, où ai-je la tête? Je ne vous l'ai pas dit. En Amérique, aux États-Unis. Oh, non, je suis indigne de cet honneur et de votre confiance. Non, non, non. J'accepte. Merci, monseigneur. Mais, Don Camillo, mais qu'aviez-vous à me dire? Moi? Ah, oui, c'était... Non, je... Voilà. J'étais venu pour vous présenter mes voeux de bonne année. Mais nous sommes au mois d'octobre. Ah, en octobre, bien sûr, oui, bien sûr. Et seulement, comme moi, je pars en Amérique, je ne sais pas exactement combien je resterai, que... Vint le jour du départ. Tout le pays était là pour saluer son curé en cet instant glorieux. Il ne manquait que le maire, car l'infortuné Pépone n'était pas encore rentré de Russie. Même ses camarades ne savaient rien de lui. Pour Don Camillo, ce fut le seul nuage dans le ciel radieux de cette journée que Pépone ne fut pas là pour étouffer de rage à la vue de son départ triomphal pour l'Amérique. Turati Antonio. Nicotera Giovanni, avec les autres. Pallotto Evaristo, dans le groupe. Paoletti Anselmo. Carloni Benedetto, là-bas. Pepone? Non, Monsignor Carboni Benedetto. On m'avait dit qu'on t'avait changé, mais à ce point-là... Vous m'excuserez si je ne suis pas venu vous saluer. Il y a 15 jours, lorsque je suis arrivé de Russie, j'ai eu réellement tant de choses à faire, ça n'a pas été facile. Si mes papiers vous intéressent, voici le passeport, voici la carte de membre des missions, la permission de mon supérieur, l'approbation de la curie, tout est en ordre. Ils sont aussi authentiques et valables que pouvaient l'être les vôtres. Ah, et ceci, c'est le bréviaire. Hein? Oui, mais il te manque la chose la plus importante, le chantage, parce que moi, je n'ai pas de femme. Ah non, mais vous avez l'évêque, vous. Et qu'est-ce que dirait votre évêque, au fait, s'il voyait cette photographie, hein? Vous pouvez la déchirer, j'en ai encore 5 exemplaires en poche, et chez moi, 30 000 autres exemplaires, tout prêt pour aller chez publicitaire par avion. Eh bien, êtes-vous content d'aller en Amérique? Ah oui, monseigneur, c'est un beau voyage. C'est la première fois que vous voyagez en avion? Oui, monseigneur. Seigneur. Bien sûr, je sais, on dit l'habit ne fait pas le moine. Mais qui sait? Qui sait, Don Camillo? Ce sera un beau voyage. Pour nous tous, hein? Oui, allez. Si Dieu le veut. Dieu le veut. Allez, mes enfants. Allez vite, sans ça, vous. Oh! Alors, mon révérend, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez rater l'avion? Oh! 430 en direction de New York, embarquement immédiat, porte P. Les voyageurs du vol 742 en provenance de Moscou
sont priés de se présenter à la douane. Oh, regarde ces deux-là! Thank you.